poussé, c'est dans une, pour moi, c'est dans une logique. En fait, on est tous un peu, je dirais pas victimes, mais dans une forme de conditionnement. C'est-à-dire, on nous met par défaut sur des voies. Et j'ai choisi ce titre parce que c'est pour moi une autre manière de pousser plus la chose, la pousser plus. C'est-à-dire, on nous met dans des logiques, en fait, de ne pas vouloir regarder, voir les choses, voir des réalités, voir tout simplement ce qui m'intéresse aussi dans le travail, c'est des formes d'invisibilisation. C'est-à-dire, ne pas vouloir voir des réalités humaines, autres, quand on a aujourd'hui une réalité qui est régnante, un modèle qui est régnant, qui impose une sorte de regard qui est penché juste sur le futur ou qui va questionner et re-questionner la contemporanéité avec des outils et même parfois violemment en voulant tourner carrément le dos à d'autres réalités qui peuvent rappeler, entre guillemets, la non-civilisation. En fait, je suis très fasciné par des objets qui ont une connotation historique. Et ces objets qui ont une connotation historique se retrouvent aujourd'hui renfermés dans un contexte de l'objet regardé. L'objet qui intègre un espace muséal, qu'on veut arrêter en fait dans le temps. Et moi, c'est intéressant d'un moment donné de réfléchir avec ces objets, comment on peut les sortir justement, les ramener, parce que c'est comme un acte pour moi qui est intéressant, que je trouve, qui pourrait un peu poétiser nos rapports, poétiser nos regards, poétiser nos manières de vivre. C'est ce qu'on appelle péjorativement la ruralité. Aller vers cette ruralité, puiser dans cette ruralité des objets qui ont une histoire, c'est se poser aussi sur le pourquoi, en fait, arrêter le parcours ou la vie de ces objets, qui sont très chargés, qui avaient aussi une diffusion de partout géographique et qui traversaient des cultures et qui étaient aussi des modes de reconnaissance, de pratique, de tous ces éléments en fait qui constitueraient la présence humaine. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'histoire. J'aime bien aussi que l'histoire revienne, retourne. Cette forme de vandalisation, cannibalisation plutôt, de l'histoire et du futur sont pour moi des éléments qui doivent toujours vivre ensemble, en quelque sorte, et pas tomber dans le piège de... On peut regarder tout simplement aujourd'hui le monde et le comprendre autrement, c'est-à-dire le considérer comme des fleuves, des coulées de fleuves qui ont toujours circulé, où l'être humain était central, à rencontrer l'autre, à échanger avec l'autre. Aujourd'hui, ces histoires, elles sont presque oubliées. Et c'est important de les rappeler, parce que ça peut rappeler justement juste le devoir ou le respect qu'on peut avoir pour l'histoire. Et que ça peut créer des éléments de réparation. Je crois que la solution ne peut pas toujours exister dans le futur. La solution a toujours existé, je crois, dans le passé. Voilà un petit peu comment je vois la chose. Et un objet pour moi qui a cette connotation, le mettre encore dans un musée d'art contemporain, est un geste qui m'a laissé beaucoup réfléchir. C'est-à-dire comment je peux sortir un objet de cet espace ethnologique, mais le mettre au centre d'un regard contemporain, une approche autre, avec un discours. Parce que l'objet, en fait, quand on le dissocie du discours, on lui met un cartel qui est scientifique, de datation, presque de mort, comme une épitaphe. Mais le sortir, c'est de déclencher une autre écriture. Je veux juste amener l'idée du regard. Que l'écriture est d'abord une forme d'un regard, avant qu'il soit une transcription du regard. Une écriture, une matérialisation de la chose.
à regarder ce qu'on ne veut pas qu'on voit, en fait. Ce qu'on ne veut pas qu'on comprend. Le regard déclenche la compréhension. Et cette complexité que je mets en place, en fait, est juste à l'image de ce qu'on est aujourd'hui. Et je ne veux pas utiliser le mot d'handicap, parce que c'est un handicap qu'on choisit, en fait, qui nous limite, en fait, dans des formes de juste de regard et d'appréciation. C'est-à-dire, c'est une pièce qui est visuelle, mais qui peut déclencher justement cette idée de regard par rapport à ce qu'on peut collecter comme information, par le regard, transcrire et prendre vie à des récits et transformer et matérialiser plastiquement. Tout ce process est un process, pour moi, qui est juste simple, humain, dans la mesure où il permet à tout un chacun de créer son contenu des choses, d'agencer par l'acceptation de la différence, quoi. J'aime la ruralité, j'aime ces gens, en fait, qui cultivent les terres, qui vont avoir un rapport direct avec la terre. L'objet en soi-même, il est super beau esthétiquement. Et j'ai toujours tendance, en fait, à être dans un geste de collecte, ce qui est arrivé. J'ai vécu et je vis encore avec un tribulium, un vrai tribulium que j'ai pu avoir. Ce rapport de vie avec ce tribulum qui m'intriguait et m'intriguait en termes de forme esthétique, de charge, mais de violence, mais de poésie. Ces deux éléments sont intéressants et qui sont liés à ce monde très horizontal. C'est des objets qui s'utilisent dans leur fonctionnalité horizontalement, à trier, entre la graine et le reste de la plante, et extraire, tracer. C'est des éléments qui sont liés avec un travail du corps, une présence du corps, un deal avec le réel, que je trouve chose intéressante. Et je me considère souvent comme quelqu'un qui va tracer, marcher, mais j'ai toujours quelques graines à jeter. Et c'est ce rapport avec le tri comme élément est un rapport qui m'emmène vers quelque chose que j'aime beaucoup, ce creuset qui s'appelle la poésie. Cette grammaire qu'on peut composer, recomposer, découper, choisir pour que ça sonne et que ça résonne. Et ce qui est une première forme d'écriture. Qui va au-delà du pouvoir de l'écriture comme on le conçoit aujourd'hui. Je ne veux pas dire expression, je veux dire juste un prolongement du corps dans sa dimension de partage avec l'autre et de rituel. Cet objet, il est utilisé horizontalement. Il arrive dans un musée matérialisé verticalement. Cette forme de verticalité m'emmène directement à une lecture de l'objet qu'on connaît tous, c'est stèle. La stèle comme forme verticale, très présente, et qui est une feuille, une page blanche sur laquelle on écrit. Ce pouvoir d'écriture est un champ, en fait, qui est public. Et je crois qu'on en a besoin. À questionner aujourd'hui, quand je l'approche comme une stèle, je réfléchis beaucoup à la question du monument. Le monument, à qui peut appartenir? Est-ce que ça peut juste appartenir à une sphère qu'on connaît aujourd'hui politique ou à une sphère publique?
dans son contenu. Du coup, pour moi, la forme du Trébulium est quelque chose qui me laisse réfléchir aussi sur des modèles possibles sur des territoires du Sud. C'est-à-dire que penser la forme et penser le contenu en même temps. Parce que parfois, dans ces dysfonctionnements de transposition de modèles eurocentriques, on s'intéresse juste à la forme et on oublie le contenu des choses. Je suis dans une forme d'effacement, souvent, effacement. Mais je suis prêt à marquer des présences, et ces présences, elles sont intéressantes. J'évoquais tout à l'heure l'idée que j'aime bien ramener de la poussière et des pierres de mes poches et les poser quelque part. J'aime bien la complexité que ça peut avoir aussi comme forme de négociation entre ce qui est monstrable, ce qu'on peut montrer dans un espace musée et ce qu'on ne peut pas montrer. Entre qu'est-ce qu'une contemporanéité, qu'est-ce qui n'est pas une contemporanéité. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter. Ramener de la pierre et de la terre, je crois que c'est un geste fort. Ramener quelque chose de poussiéreux, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que cette poussière, c'est elle qui constitue et qui nous a constitués et à laquelle on va revenir, retourner. Il ne faut pas, pour moi, c'est de ramener un questionnement à un espace qui se veut lisse, clean, à l'image de son cartel dur. Il y a des trébulums en fait qui peuvent être faits par plusieurs planches et qu'il y a des trébulums qui sont faits par une seule planche. C'est vraiment différent et c'est ce qui est beau en fait. À chaque fois, l'objet il prend une autre forme différente selon les besoins, selon le fonctionnement, selon ce qu'on trouve comme bois. Selon les moyens qu'on a en fait de réaliser. Et je crois que ce trébulum, il a traversé plusieurs endroits sur Terre de la même manière, mais avec des formes différentes. Et tracé, ça me rappelle un petit peu la rare dans cette césure, cette forme en fait de pénétrer la Terre et de l'écrire, de la marquer, qui est assez violente, mais qui est une sorte de dire qu'on était là, qu'on est là, qu'on est passé par là. Parce qu'on sait que ça va changer. Que la terre reprend toujours sa force, en fait, son pouvoir. C'est deux choses qui sont aujourd'hui et qui sont à questionner, c'est-à-dire cette forme de liberté, en fait, l'utilisation en fait, des éléments de la ruralité qui sont vus péjorativement, c'est-à-dire ces éléments qui sont dans le contact avec la terre, où la terre elle est visible, ce contact avec la terre elle est accompagné par un geste, par une voix, par une force d'écriture. Parce que souvent, en fait, dans une action de travail, on chante, on écrit. Et ce chant et cette écriture et ce geste n'existent pas sans l'autre. Et puis deuxièmement, c'est-à-dire cette forme de mobilité qui est aujourd'hui à questionner dans nos contextes actuels. À quel pouvoir on est dans des formes libres en fait de circulation. Pas pour des raisons précises d'anthropologie ou de recherche, etc., mais des formes plus juste humaines, simples, de cette mobilité d'identité, cette mobilité d'aller, de bouger. Parce que chacun est une charge, en fait, une charge culturelle, une charge idéologique, une machine à écrire. L'être humain est une machine d'écriture, tout simplement. D'une transcription, une écriture qui ne se limite pas. Après, cette écriture, elle a besoin de l'autre. Pour que ça existe, pour que ça ait une résonance. Et je dirais plus pour qu'on la regarde. Il faut qu'on la regarde. Il faut qu'on la sente. Je pourrais ajouter aussi un autre élément qui m'intéresse, en fait, comme pouvoir d'écriture, ce pouvoir qu'on peut trouver chez les gens,
ce qu'on appelle aujourd'hui les lambda, qui ne sont pas... En fait, c'est la scarification, l'idée du marquage du corps. Du coup, le corps, il devient l'outil informatif, l'outil de dialogue, l'outil support de l'idée, l'outil champ pour poétiser encore le monde. Je vois en fait que ces rapports du Sud, qui sont des rapports horizontaux, ils peuvent aussi être abordés d'une manière très fragile, c'est-à-dire penser ces relations avec une manière oblique et pas... Parce que quand j'y pense horizontal ou vertical, ça crée une division, séparation. Mais je crois que la ligne oblique est une ligne très fragile et une ligne qui peut vraiment laisser réfléchir sur la tangente, l'élasticité, jusqu'à où on peut raisonner, exister. Et je crois que si on tire des fils à partir du continent africain, on va se retrouver dans plein de tissages, de formes de tissages qui sont aujourd'hui une priorité à révéler, à mettre sur table. Pour fuir les dysfonctionnements de rapports existants aujourd'hui en termes du regard, de préjugés, de ce piège civilisationnel. C'est très, très simple, en fait. Quand j'étais en train de concevoir cette pièce, j'ai pensé à tous les mouvements qui étaient possibles. Et j'ai essayé d'imaginer ces mouvements qui dépassaient les frontières. Cette idée de rencontre de l'autre, de rapporter de l'autre, qui est en soi une forme d'écriture. C'était en soi aussi comme une image de l'écho, de l'existence. Arriver jusqu'à un autre endroit où je vais retrouver des points communs. Et je me suis tout de suite rappelé de Ibn Battuta, 14e siècle, jeune voyageur de Tanger. Il va partir sillonner le monde. Il va partir vers la Chine, il va partir vers les îles Maldives, il va partir vers d'autres endroits, en fait, en Andalousie. On reste du continent. Et ça me fascine. Ça me fascine juste le pouvoir de circuler comme ça et traverser des cultures différentes. Ibn Battuta arrivait aux îles Maldives, elle découvre qu'il y avait un marchand amazigh qui était passé avant lui, qui avait converti toute l'île à l'islam. Et cette force en fait de rapporter ce qui était passé, je la mesure dans le temps passé en fait. C'est pas le même rapport de l'information avec l'information qu'on peut avoir aujourd'hui. Du coup, ça me fascine encore plus. Et dans la même période, Ibn Battuta avait aussi été en Chine. Il a même rempli des fonctions, une fonction en Chine. Elle était dans une région d'où venait un autre Chinois qui est arrivé par l'Égypte au pays du Sahel, Swahili, et remonté jusqu'au nord du Maroc, c'est-à-dire vers la côte méditerranéenne du Maroc, dans la même période. Les objectifs et les enjeux étaient différents entre religion et commerce. Et ces éléments, ils sont intéressants aujourd'hui pour comprendre les relations qui sont en train de se tisser et de se créer entre l'Asie et le continent africain. Cette question de religion et cette question de commerce est intéressante. Et puis, j'aime bien faire rencontrer des personnages qui ne sont jamais rencontrés en fait dans la réalité. Et du coup, Ibn Battuta avec Wang Diao était intéressant pour moi, en fait, parce que ça se pratiquait dans la même époque, en quelque sorte, avec une sorte de croisement
croisement et divergence d'objectifs. Les croisements, les objectifs sont intéressants à méditer, en fait. La forme de l'errance, mais la forme d'avoir un objectif précis, commerce. Mais j'imagine que l'idée de l'objet était intéressante aussi, même dans la création aujourd'hui de l'histoire des musées. L'histoire des musées, ça a commencé par les cabinets de curiosité. Ramener des objets de l'autre côté qu'on ne connaît pas, les montrer, partager, c'était l'essence en fait du musée. Du coup, je reviens à cette idée justement de musée, l'objet, etc., qui peuvent aussi être une matière à réfléchir par rapport à l'objet, l'appartenance de l'objet, avec tous ces discours existants aujourd'hui autour de l'idée de la restitution de l'objet à qui appartiennent, etc. Le tribulum traverse tout ça, et traverse ces problèmes. C'est plus question de post-histoire ancienne, c'est-à-dire pas question de territoire renfermé qu'on peut appeler aujourd'hui la nation ou l'État ou le pays. C'est un héritage en commun. C'est cette forme de circulation de l'objet. Un objet scarifié, écrit, marqué, qui est aussi doué visuellement. Tu t'approches, tu sens que possiblement, tu ne peux pas le toucher ou tu n'arriveras pas à le toucher. Pas le toucher dans un contexte muséal. C'est un objet sacré. Mais il te séduit. Et c'est là où je reviendrai vers le titre. C'est pousser vers le silence. Cette culture, agriculture du silence qui est importante dans l'idée de la parole, dans l'écoute, le raisonnement, le regard, l'observation et l'admiration des choses. Imaginons le monde comme il était. Je crois qu'on tombe souvent dans le piège à voir le monde, le passé, comme on le vit aujourd'hui. Et le voir comme il a été avant, d'une autre manière, ça peut laisser réfléchir sur la temporalité, la durée du voyage, la rencontre, la langue, le geste, l'échange, la valeur de la narration après, la valeur du partage après. Le voyage de Ibn Battuta, il est célèbre, mais le voyage de Wang n'est pas célèbre. Il n'est pas célèbre. Il est important à voir, à considérer aujourd'hui. J'ai même pas dans les recherches que j'ai trouvées, par exemple, même des articles un peu récents qui vont parler de ce commerçant chinois, mais c'est pour justifier tous les rapports commerciaux qui peuvent s'établir aujourd'hui avec la Chine. Et on connaît tous le rapport de la Chine avec le continent africain. C'est ça aussi auquel je veux faire un clin d'œil, en fait. C'est comment un échange qui peut être vraiment naturel, humain, qui peut, dans une échelle vraiment humaine, qui peut être alarmant par la suite. Et cette compréhension du passé peut solutionner, en fait, ou suggérer des manières de deal dans le futur et dans les temps présents. J'ai tendance à toujours construire des pièces comme ça et des pièces avec un côté informatif, qui informe sur quelque chose. Ou qui peut même alerter sur quelque chose. C'est-à-dire, ces objets, ils ont une présence, ils peuvent nous amener vers un ailleurs, à penser l'origine de cet objet, son contexte d'existence, sa fonction, etc. L'idée, en fait, de la transmission est importante, parce qu'on est, comme j'avais dit au début, en fait, on est dans une manière de regard qui est très violente et qui laisse pas le champ horizontal à voir tout le monde, qui donne pas la place à tout le monde.
Il y a aujourd'hui une forme d'autorité dans même le regard, les choses qu'on peut estimer d'important ou pas important, avec cette idée de rupture, de tourner le dos à des choses, mais le tribulium, ces narrations de voyage, elles sont importantes, très très importantes. Elles sont très très importantes d'un point, vraiment, ne serait-ce que personnellement, je suis quelqu'un qui est séduit par cette générosité en fait de l'écriture à cette littérature de voyage qui va juste être généreuse dans sa forme de narration et qui va laisser la place au lecteur pour s'introduire, pour comprendre, pour être dans des gestes aussi que j'aime, du collage, de rencontres, de croisements. Et tout ça, c'est des éléments vraiment que j'estime des éléments humains, très humains, dont on aura toujours besoin. Les textes que j'ai choisis, en fait, j'ai choisi des textes qui ont une relation avec un point géographique qui est les îles Maldives. Et deux textes qui sont du livre Rihla de Ibn Battuta, sur lequel il raconte le moment où il débarquait aux îles Maldives, et sur le second temps, quand il a découvert qu'il y avait un Amazigh qui était passé par là-bas. Et le troisième, je l'ai écrit moi-même. Comme juste une information. Wang Duan était dans le nord du Maroc en arrivant par l'Égypte. Il y avait d'autres citations, mais j'ai vraiment focalisé sur ces deux citations qui étaient dans une forme de relation en quelque sorte. L'Amazigh marchand qui était là, avoir converti en fait l'île, il avait besoin de l'écriture de Ibn Battuta pour qu'il soit visible. Et cette dépendance plutôt dans la narration était importante. Après, pour moi, c'était le tribulium, c'était la forme. Et le contenu, c'est là où je l'ai édité en quelque sorte, choisi. Dans l'idée justement centrale autour de la découverte de la religion et puis du commerce, qui sont des réalités sur lesquelles repose en fait la construction et le choix des textes. Découverte, religion et commerce. Et c'est des éléments aujourd'hui qui peuvent s'inscrire aussi dans la manière par laquelle j'ai envie que les autres abordent ça. Autrui aborde le travail, c'est-à-dire qu'il va découvrir quelque chose qui est invisible, comme histoire, comme récit. Il va réfléchir par rapport au rôle de la religion. Il va réfléchir sur le commerce, de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé dans le passé. Et je crée une complexité parce que tout le monde ne peut pas lire braille. C'est pas question de lecture, mais question d'abord du regard, regarder, toucher. J'invite ces éléments-là, ces sens, comme des outils. Forme en quelque sorte pour décortiquer et comprendre et pour composer d'autres récits possibles. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis fasciné par rencontrer des gens qui ne se sont pas jamais rencontrés. Ces croisements géographiques, ces croisements dans les trajectoires de vie, elles sont intéressantes à mon point de vue. Une figure aujourd'hui comme Ibn Battuta, c'est intéressant de la voir marquée sur des établissements, prendre le nom. Mais ce serait bien aussi de comprendre
ce qu'il a écrit, de comprendre cette mobilité, de la questionner, de comprendre comment on peut traverser des sphères, des communautés, comment on peut être dans des formes de tissage. Et Dieu sait que la première fonction de l'être humain, c'est le tissage. Parce que tout est tissage, finalement. Tout est tissage, tout est création de grammaire, tout est création, agencement de vocabulaire, tout est et message. Dans l'idée de la considération de l'autre, être deux n'est pas démocratique, n'est pas généreuse. Être trois, être cinq, être sept est plus intéressant dans une logique de dialogue. Parce que c'est une diversité. C'est des formes qui sont flexibles et qui remplissent la même fonction. C'est comme nous, en fait. Et c'est cette recherche de forme, en fait, qui peut paraître comme une forme, une stèle assez lourde, mais qui ramène l'idée de la fragilité. C'est des éléments qui sont constitués de deux, tout un chacun. Deux, deux, deux. Et c'est intéressant de réfléchir les deux avec une des horizontalités dans l'écriture, une forme d'horizontalité dans l'écriture. Ces deux, avec des fissures, comme une forme de fragilité qui peut exister. Et on peut exister que dans la fragilité. Parce que quand on dit « on marque la vie dans une forme dure », on annule l'autre, on ne regarde plus l'autre, on ne considère plus l'autre. Mais la forme de fragilité, c'est notre force, finalement. La fragilité, regarder tout dans la fragilité, sa manière aussi de se transformer, de prendre d'autres formes, est intéressante. Sur le terme de l'idée, comme sur le terme du regard, du toucher, du senti. Et ces éléments, ils sont très... Je suis vraiment convaincu par ça. Par la mobilité de la mobilité du regard. Comment on approche des choses. On les approche différemment. Mais on n'est pas les seuls à les écrire. Du coup, considérer l'autre, c'est une manière de manifester une présence. Et l'idée de présence est très centrale dans mon travail. C'est quelque chose qui va, même une présence silencieuse, intrigante, est très importante. Parce que c'est pour moi une manière de combattre l'invisibilisation des communautés, comme de la parole, de l'idée, la marginalisation des savoir-faire, la marginalisation de la parole de l'autre, l'ethnitisation de l'autre, la réduction de son savoir-faire à l'objet qui va intégrer un musée, forcer l'idée de musée comme machine, en fait, pour juste créer un seul et unique modèle de regard, de perception. C'est une autorité fausse qu'il faudra que ça change, en fait. Et que ça ne peut pas changer qu'à l'intérieur de ça. C'est toujours le miroir, en fait. C'est la question du miroir. C'est la question du miroir, du regard, etc. C'est changer le regard, changer le mot, changer le... C'est toujours cette dualité qui est intéressante, en fait. La parole n'existe pas sans l'écho. Et l'écho n'existe pas sans réponse. Et c'est un jeu comme ça qui est important dans nos gestes, en fait, de réflexion. Même un aller-retour, en fait, même dans le process de création de quelque chose. C'est que je regarde un objet comme ça, il faut que je le tourne et je le regarde différemment, d'un autre angle de vue, pour que je le comprenne. Pour que je ne reste pas seulement sur la forme. Moi, je le vois aussi comme une scarification qui part d'un acte déjà qui est violent, de marquage. Et ces scarifications, on va toujours essayer de les cacher, pas les montrer à l'autre, parce que c'est un marquage. C'est comme c'est un marquage à vie, en quelque sorte. C'est la présence de choses,
que l'histoire ne peut pas effacer. On n'effacera jamais. Après, cette question de toucher, justement, est une manière aussi d'appeler qu'on peut toujours faire appel à des éléments ou des outils qu'on ne veut pas qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire, dans tous les systèmes de pensée, on n'est pas dans le toucher, on n'est pas dans l'interprétation. On est plutôt dans une production cérébrale, dans une manière en fait de décortiquer, de composer le monde qui est assez sèche, froide, et qui n'appelle pas l'autre à utiliser des outils en fait autres avec lesquels il a juste compris déjà le monde, abordé le monde en premier, avant qu'il soit dans des formes aujourd'hui d'écriture ou de séparation. Ou de formalité. Ouais. J'utilise beaucoup le cuivre parce que ça me ramène toujours à une réalité de là où je viens. Je viens de Akka, une région où il y a des mines d'or. Mais je me pose la question sur cet or et sa présence et le droit des gens par rapport à ça, à ce qui aujourd'hui peut apparaître comme précieux et un signe de richesse. Je ramène ce troisième élément qui est le commerce. Je ne le garde pas avec sa matière première, c'est-à-dire ses silex et le bois, mais je le traduis plastiquement jusqu'à un résultat, à une sorte de séduction. C'est un objet qui n'est pas statique parce qu'il peut être très dynamique. Rien qu'avec nos lumières, nos lumières, c'est-à-dire les lumières et comment on peut le regarder. On n'est pas seulement dans une forme de frontalité, mais on peut le regarder, s'approcher et regarder que dans ce qui peut apparaître dans une écriture braille, standard, formalisée, là, il y a quelque chose de très naturel, comme ces formes de silex, qu'on peut éventuellement toucher. Souvent, je me questionne, c'est-à-dire, est-ce que je suis un artiste vraiment dans le contexte dans lequel je vis et comment je peux m'introduire auprès de l'autre avec ce statu quo qui est très récent dans mon contexte, qui est aussi problématique dans les rapports, dans sa manière de transposer une autre logique de faire, de produire. Du coup, je suis intéressé par l'objet et pas le produit. L'objet dans sa singularité. Et ça, je le retrouve dans un travail où j'apprends beaucoup avec les artisans. Au Maroc, on a une réalité de présence, en fait, de grosse richesse, en fait, en termes de faire avec la main. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que c'est quelque chose qui est dans une forme de destruction d'un modèle auquel j'ai subi, c'est ce modèle assez autoritaire, vertical, d'apprentissage, de techniques qui vont emmener, me mettre juste dans une logique d'existence individuelle avec une signature individuelle. Ce travail avec les artisans est un travail dans lequel j'apprends à chaque fois. C'est un exercice d'apprentissage qui commence par un exercice de rapport humain. Chose qui pour moi ne peut auquel je ne peux pas faire abstraction. Et cette forme d'horizontalité est importante dans l'échange. C'est-à-dire, je ne suis pas dans une idée d'exécuteur et de penseur. Souvent, des pièces échangent dans le rapport que je peux obtenir avec les artisans. Et souvent, des pièces peuvent renaître dans ces rapports. Autrement, parce qu'il s'agit de ne pas imposer avec une manière industrielle. Il s'agit de suivre le possible à faire et à pouvoir faire. Réaménager, écrire ensemble, en fait, est une forme qui m'intéresse beaucoup. J'apprends beaucoup de choses qui sont pour moi
que j'ai pas eu la chance d'apprendre avant. C'est-à-dire, j'apprends le rythme, j'apprends le souffle du travail, j'apprends j'apprends le process, l'idée de process, mais autrement. C'est-à-dire, pas comme par exemple dans le design où je vais avoir une forme très figée de ce que j'ai envie de faire et demander l'exécution de ça. Non, je cherche plutôt cette pâte à modeler ensemble. Cette pâte à modeler ensemble et qu'on peut à un moment donné s'arrêter et décider quand est-ce qu'on peut s'arrêter. Arrêter ce modelage un instant. C'est une manière d'adoucir le rapport, je crois. C'est une manière, surtout dans mon contexte, le contexte marocain que je connais très bien, et toute cette richesse manuelle, etc. Et je crois que c'est possible d'avoir une chorégraphie commune, de danser communément. C'est possible de parler communément. C'est possible de voir et de trouver dans tout ce qui peut être des vocabulaires opposés, de créer d'autres vocabulaires, d'autres manières, d'autres langages, pas de discours, mais d'autres manières de se répandre. C'est des moments très très forts en soi parce que c'est des moments dans lesquels tu n'es pas seulement dans l'exécution, mais tu es dans l'expérimentation, tout le temps dans l'expérimentation. Tu es dans l'apprentissage, mais permanent. Tu es dans la mobilité de l'idée, mais de manière permanente. Et ça me fascine. Ça m'attire beaucoup, ça. C'est-à-dire que, déjà, le contexte n'est pas prêt. C'est tellement récent, en fait, de parler d'art. Comme on le conçoit aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui. Dans un contexte qui a vu son art, ce qu'il y est pour lui un art, arrêter à un moment donné, privé de fonction, intégré à un musée, ne plus exister que dans des formes regardées et amputées de discours. Les choses ne peuvent pas exister, les objets ne peuvent pas exister sans discours. Et ce discours, il est créé par les êtres humains. Ce discours est un creuset dans lequel on peut avoir droit à la faute, à l'interprétation, à nos récits personnels.